aujourd'hui, des associations citoyennes ont mené un blocage pour redonner à la rue des Augustins son appellation de rue piétonne. Donc c'est un commun accord avec quatre associations, donc Vélo en tête, Énergie citoyenne, À pied en ville et donc l'association des commerçants de la rue. Et l'idée en fait c'est symbolique, c'est de bloquer la rue de midi jusqu'à minuit, si on peut, hein, si on se fait pas déloger avant. Pour nous on réclame en fait qu'elle soit piétonne et réservée aux cyclistes, etc. Cette rue-là en particulier parce qu'elle fait partie d'un itinéraire de traversée du centre-ville par les voitures. C'est-à-dire qu'il y a des voitures qui prennent la rue Foch, la rue des Augustins, la place des Poilus, la rue de la Fusterie. Il y a 5000 véhicules par jour dans la rue de la Fusterie. Et il y en a moins d'un cinquième, moins de 800 qui accèdent au parking République. Toutes les autres ne font que traverser l'hypercentre-ville et elles pourrissent complètement la vie des usagers, des commerçants, des clients, des piétons, des cyclistes qui aimeraient bien se déplacer de façon plus agréable dans le centre-ville. Forcément, c'est pas du tout la même... La même sensation quand on est à pied, il y a moins de bruit, moins de pollution, etc. Voilà, on le voit derrière, hein, c'est mieux d'être en terrasse sans voiture qu'avec des voitures qui passent.